Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 3 avril 2021. Famille Armstrong Sanda, good evening. Good evening, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on our bilingual edition of news on Equinox Television. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, Cameroon and the entire Roman Catholic world mourns Christian Cardinal Toumi, an iconic religious figure, the lone cardinal, Cameroon God. Christian Cardinal Toumi is no more. The nation is in shock. We bring to you tear-provoking testimonies and condolences, testimonies of the man, the Reverend Father, the priest, the bishop, and the cardinal, Toumi Wigan. À une de ce journal, un choc d'émotion et de consternation traverse le Cameroun. Le décès à la veille de la célébration de la Pâque du cardinal émérite Christian Toumi plonge des fidèles chrétiens catholiques, même des Camerounais, dans la désolation. Il laisse également sans voix. À suivre au cœur de ce 20h, les premières réactions et des hommages sur une personnalité iconoclaste qui aura marqué les esprits. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La nouvelle est tombée telle un couperet, l'annonce du décès du cardinal émérite Christian Toumi à la veille de la célébration de la Pâque a plongé la communauté chrétienne catholique dans l'émoi et la consternation. Des cris de douleur et des larmes retentissent depuis ce matin à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala où des fidèles chrétiens se sont mobilisés pour la prière matinale. Ambiance de deuil dans ce reportage que signent Claude Ekwa et Céding Ding. Les murs de la cathédrale Saint-Pierre et Paul ont résonné des cris et des pleurs des fidèles chrétiens. Le cardinal Christian Toumi n'est plus. La nouvelle aura fait l'effet d'un coup de tonnerre. Beaucoup n'en reviennent toujours pas. Il y a une fusée d'abord à quoi? Parce que pendant la messe chrismale, l'archevêque métropolitain de Douala, à travers le vicaire général de Douala, Monseigneur Dieudonné Baïmé, a appelé aux fidèles de Christ de prier. Certains ont même du mal à cacher leur peine et fondent en sanglots sur le parvis de la cathédrale. L'annonce a été confirmée par son successeur, Monseigneur Samuel Cléda, sur son compte Facebook. Le cardinal Christian Toumi avait été admis dans une clinique de la place. Dans le même temps, une vidéo de ce dernier circulera sur les réseaux sociaux et va heurter la sensibilité des chrétiens. À sa mort, quelqu'un prend sur lui pour balancer l'image sur les réseaux sociaux. Il dit que Dieu pardonne cette personne. C'est un homme très, très, très attachant et beaucoup épris de paix pour son pays. Vraiment, il a voulu tellement faire de bonnes choses pour ce pays. Mais malheureusement, il a été incompris. Christian Toumi, fervent défenseur de la thèse d'une résolution pacifique de la crise dans les régions anglophones, décède à l'âge de 91 ans, des suites de maladies, à la veille du dimanche de Pâques. Et vous l'avez suivi, inlassable partisan de négociations pour la fin du conflit armé dans les régions en crise au Cameroun. Le cardinal Christian Toumi est resté jusqu'à sa mort très impliqué dans la résolution de cette crise sociopolitique. Il avait réussi à unir ses forces avec celles des leaders religieux pour créer un cadre de dialogue entre les parties en conflit à travers la conférence générale anglophone. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'une des séances de travail entre le cardinal Christian Toumi et les leaders religieux et membres de la société civile. Et lors de l'émission de la vérité en face diffusée sur Equinox Télévision, le cardinal Christian Toumi est revenu sur la situation chaotique que vivent les populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il est également revenu sur les propositions faites au gouvernement pour un retour à la normale dans les régions en crise. Nous l'écoutons. Beaucoup sont devenus les bandits, des voleurs, à cause de leur kidnapping, à cause de leur
tuerie pour vivre. Il n'y a pas d'autre moyen pour eux pour vivre que d'arracher. Et c'est logique. Ceux qui les soutenaient matériellement se sont sauvés de ce côté du pays. Beaucoup de villages, comme mon village, n'ont plus la population qu'elle avait. Le préfet que j'ai rencontré à Okumbo m'a dit, il n'y a plus d'élite à Okumbo. Tout le monde avec qui on peut dialoguer, soit à Yaoundé, soit à Douala, en dehors de Okumbo en tout cas. L'étude que nous avons faite, les causes et les propositions que nous avons faites, la dernière proposition était pour le président de convoquer une rencontre nationale pour résoudre le problème anglophone. Avant que nous convoquions la dernière rencontre pour lui envoyer tout cela, il nous a anticipé le statut spécial. Et j'ai dit, j'ai fait ma proposition sur le continent. Personnel. Oui, mais certains estiment qu'il n'y a rien de particulier dans ce statut spécial, parce que ça existait déjà dans la Constitution. On a juste découvert à l'occasion de ce grand dialogue national que ça existait. Et dans la Constitution, ne parle pas de statut spécial pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Ce n'est pas dedans. Donc, mais essentiellement, quand on traite, on ne traite pas la tête. On regarde seulement le pied. Parce qu'on sait bien que si on... Les pieds, il y a des autres mal qui viennent parce que vous avez mal aux pieds. Je m'excuse, je ne juge pas. Et toujours dans la recherche des solutions, le cardinal émérite Christian Toumi avait activement pris part au grand dialogue national organisé par le gouvernement à Yaoundé. Et lors des assises, il avait appelé les groupes séparatistes à déposer les armes. Il a également s'est exprimé sur les antennes d'Equinox Télévision lors d'une édition spéciale consacrée au grand dialogue national. Nous l'écoutons une fois de plus. Au terme de cette première séance plénière du Grand Dialogue National, il y a eu des appréhensions qui ont été soulevées par certains participants, estimant qu'il n'y a pas un dialogue inclusif qui est mené dans le cadre des discussions visant à mettre en place les commissions. Que répondez-vous à cela? Tous ceux qui sont là, n'est-ce pas, sont invités à participer à la commission de leur choix. Il y en a 8. Et après le travail de commission, on va se trouver encore pour tout mettre ensemble et n'importe qui peut demander la parole, vous voyez, pour s'exprimer. Je n'ai pas cette impression. Vous êtes rassuré au regard de la formulation du dialogue, au regard des mécanismes qui ont été mis en place pour discuter avec toutes les parties prenantes? Et sauf jusqu'à maintenant, les personnes, quoi, une dizaine qui ont pris la parole, n'est-ce pas, ont parlé. On parlait franchement, en toute franchise. Il n'y en a pas l'impression qu'ils étaient préparés avant. Non, il n'y a pas eu cette impression. Vous avez des attentes particulières pour la suite des travaux? Bien sûr, nous tous, nous voulons la paix à tout prix. Et sur le plan de la gestion des affaires publiques, le cardinal émérite Christian Toumi s'était également illustré par ses prises de position pour dénoncer la corruption et la malgouvernance. Il avait principalement tiré sur ses fonctionnaires de l'État qui détournent l'argent, le fonds public pourtant formé dans les séminaires. Il s'exprimait notamment sur la chaîne de télévision chrétienne catholique. Nous l'écoutons. Que sa conscience l'accuse. J'ai parlé à un fonctionnaire au Cameroun. Je suis du Cameroun. J'ai dit au fonctionnaire que j'ai connu quand il était ordonné prêtre, il était collégien. Je lui ai dit, vous, les fonctionnaires qui avez fréquenté les écoles catholiques, je ne vois pas la différence entre vous et les autres qui détournent les deniers de l'État. Eux, ils volent, vous volez. Eux,
ils détournent, vous détournez. Je ne vois pas la différence à quoi votre éducation chrétienne vous a servi. Il se sourit et il me dit, Monsieur le cardinal, nous qui travaillons avec ceux qui n'ont pas fait les écoles confessionnelles, nous voyons la différence entre eux et nous. Je lui demande, quelle est la différence? Il me dit, eux, quand ils volent l'argent de l'État, ils sont contents. Et nous, quand nous détournons l'argent de l'État, notre conscience nous trouble. Parce qu'à l'école catholique, on nous a toujours dit, voler, c'est un péché. Et pour que vos péchés soient pardonnés, il faut rembourser. C'est dans ce sens que je dirais que nous avons en Église l'obligation d'éduquer la conscience humaine. On a l'impression que beaucoup de gens au monde qui nous dirigent, non. Et on le croyait immortel, il s'en est pourtant allé. La mort du cardinal Christian Toumi bouleverse tout le monde. Ses propos sont de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, le décrit comme étant un serviteur emblématique qui aura marqué à la fois l'Église et le Cameroun tout entier. Le reportage de Aïe Cyril, Élisée Bogba. Pour l'archevêque métropolitain de Yaoundé, la nouvelle du décès de Christian Cardinal Toumi tombe tel un couperet, tant le patriarche de 91 ans semblait immortel. Très tôt ce matin, le téléphone a sonné, nous annonçant la triste nouvelle, inattendue en fait, tellement notre patriarche semblait immortel. On nous a dit que le cardinal venait d'expirer. Monseigneur Jean Barga décrit le cardinal comme un serviteur charismatique qui aura marqué à la fois l'Église et la nation. La stature de l'homme, tant du point de vue de l'Église que du point de vue de la nation, était si forte que le paysage actuel qui va devoir accepter son absence sera lui aussi marqué. Plus spécifiquement, sur le plan de l'ecclésialité, affirme l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Christian Toumi, cardinal de son état, a souvent rempli de hautes missions au Cameroun comme ailleurs, à lui confiées par le Vatican. Le Saint-Père Jean-Paul II et après lui le pape Benoît XVI ont toujours coopéré avec le cardinal et il a eu plusieurs fois des mandats de mission dans d'autres pays pour parler au nom de l'Église. Donc il a un rayonnement international qui mériterait aussi d'être valorisé le moment venu. Mais l'archevêque émérite de Douala n'était pas seulement un homme de Dieu. La figure emblématique que décrit Monseigneur Jean Barga était fortement intéressée par des questions concernant la marche de la République. Sur le plan national, une figure emblématique qui a été de tous les combats, qui a été, comme on dit chez nous, dans une ecclésiologie sociale. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est impliqué à fond dans la trame de l'histoire de notre pays et s'est efforcé d'apporter sa contribution. Jusqu'aux derniers efforts de sa vie, vous avez su dernièrement tout ce qu'il a vécu. Christian Toumi était l'unique cardinal dont disposait le Cameroun. Pour l'archevêque de Yaoundé, sa mort bouleverse autant dans l'Église que dans la nation tout entière. Sa mort est pour nous comme une situation où on va devoir s'habituer à ne plus avoir un cardinal. Il était déjà
si incorporé à nos vies que son départ nous déstabilise réellement. Dans une lettre de condoléances adressée à l'archevêque et aux fidèles de l'archidiocèse de Douala, à la famille naturelle du défunt ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Dieu qui est au Cameroun, l'archevêque métropolitain de Yaoundé salue la mémoire de Christian Cardinal Toumi, dont il va falloir approfondir l'héritage afin d'en faire des points d'inspiration pour l'avenir, écrit Mgr Jean Baga. Et toujours dans le registre des réactions, écoutons à présent celle de Mgr Antoine Talou, ancien archevêque de Garoua, qui avait des rapports cordiaux avec le désormais défunt cardinal, le cardinal Toumi. Mgr Antoine Talou s'exprimait au micro d'Equinox Télévision. Passé quelques années à la tête de l'archidiocèse de Garoua, mais c'était des années assez riche. Il a cherché à étendre le plus possible l'action de l'Église sur le territoire de l'archidiocèse de Garoua, qui, vous savez, est relativement grand et a donné un visage public à l'archidiocèse dans cette partie du pays. C'est un bâtisseur, hein, et il en avait la carrure. Un bâtisseur qui n'avait peur de rien et qui donnait qui inspirait confiance aux nombreuses personnes qui l'approchaient. Et autre réaction au sein de l'épiscopat, Mgr Andrew Keya, archevêque de Bamenda, salue la mémoire d'un prince de l'Église, un père spirituel. Nous l'écoutons. Il vraiment a vécu, n'est-ce pas, une vie très très profonde dans la foi. Il était vraiment formateur. Il a commencé la formation des jeunes prêtres au petit séminaire de Boya, Bishop Logan College, et après il était recteur, premier recteur du grand séminaire de Bamboui, là où il a formé aussi beaucoup de prêtres, donc beaucoup de prêtres dans de deux régions du nord-ouest et sud-ouest sont formés par son éminence Christian Toumi. Après il était évêque de Yagoua, là où il a beaucoup fait pour les pauvres là-bas. Il m'a beaucoup marqué par tout ce qu'il m'a enseigné pendant ces 7 jours que j'étais fermé chez lui. Et il est vraiment comme un modèle pour nous tous, premièrement les évêques, parce que le cardinal Christian Toumi était un homme juste. Vous voyez vous-même, il était archevêque de Douala, il a travaillé, n'est-ce pas, parmi les fidèles là-bas, pour bâtir premièrement la foi, l'Église, qui est le peuple de Dieu. Et tous les collèges qu'il a créés, les hôpitaux, les écoles, n'est-ce pas, il était vraiment un grand baptiseur. Il a bâti l'Église de Dieu qui est au Cameroun. Et maintenant, le bon Dieu lui-même l'a appelé dans sa maison. Et vous le voyez, c'est une pluie d'hommages après le décès du cardinal émérite Christian Toumi. Sur les réseaux sociaux, des acteurs politiques de premier plan, membres de la société civile et des Camerounais de tous bords, vantent les mérites du cardinal Christian Toumi qui aura marqué les esprits. Bref, tous pleurent, un homme de sagesse que le Cameroun n'aura jamais connu. Des réactions recueillies sous la toile par notre reporter Isabelle Carole Zoupette. Dès l'annonce du décès du premier cardinal camerounais Christian Toumi, ce 3 avril 2021, à l'âge de 91 ans, une vague d'émotion et de consternation s'est aussitôt emparée de la toile.
hommes politiques et autres personnalités de tous bords, ne cessent d'exprimer leur profonde douleur suite à la disparition de cet homme de Dieu dont l'engagement pour la paix et la stabilité du pays faisait partie de ses combats. C'est d'ailleurs cette mémoire que salue l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilloux, qui parle d'un inlassable apôtre de la paix et de la réconciliation nationale. Une autre personnalité émue, c'est Alice Sadio. Sur son compte Facebook, la femme politique dit garder en mémoire le souvenir d'un homme de Dieu, mais aussi un patriote au sens noble du terme. Le président du PCRN, pour sa part, souligne le contexte de Pâques dans lequel s'en va l'archevêque émérite de Douala. C'est une indicible grâce, commente le député, qui ajoute que l'illustre défunt aura spirituellement engendré de vaillants combattants. Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS, se dit reconnaissant de l'engagement du cardinal Christian Toumi dans la lutte pour l'avènement d'une société démocratique au Cameroun. L'honorable Noran Foster, l'avocat Abor Mbala et bien d'autres personnalités tout aussi attristées ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de celui-là qui s'est illustré ces dernières années par son combat pour la résolution de la crise anglophone. Et toujours dans ce registre de réaction au sein de la classe politique, le chairman du SIF salue la mémoire du cardinal Christian Toumi Ninjon Fundi, le présente comme un homme de paix et de justice. Le président national du SIF pense que les Camerounais ont manqué l'occasion de profiter de l'immense sagesse de celui qui s'est longtemps battu pour la résolution des conflits armés dans le pays. Il appelle les Camerounais à s'unir dans la prière pour le repos de son âme. Et suite au décès du cardinal Christian Toumi, le professeur Maurice Kamto estime que cette disparition est une énorme perte pour le Cameroun. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun salue son engagement dans la lutte pour les élections libres et la transparence au Cameroun, la corruption et la crise anglophone, de même que son combat pour un Cameroun libre et démocratique où règne l'état de droit, où les droits humains sont respectés. Le professeur Maurice Kamto poursuit en soulignant au passage que le cardinal Toumi a véritablement prêché sans relâche l'amour entre les Camerounais et la paix dans son pays. Il affirme que le cardinal Christian Toumi incarnait parfaitement la réunification et le bilinguisme au Cameroun. Il laisse donc une œuvre immense. Selon le professeur Maurice Kamto, l'hommage officiel que le pouvoir en place pourrait lui rendre donné, c'est de mettre un terme à la guerre civile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Et la publication de la vidéo de la dépouille du cardinal émérite Christian Toumi sur les réseaux sociaux a donc suscité une vive indignation. La plupart dénoncent une profanation. Le ministre de la Santé publique, sur son compte officiel Twitter, juge inacceptable que des images qui violent son intimité soient diffusées, a-t-il indiqué. Manaouda Malachi précise que des enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités après la publication de telles vidéos du cardinal émérite Christian Toumi. Et le décès du cardinal Christian Toumi, c'est la chute d'un baobab de la scène sociopolitique au Cameroun. Le prélat, c'était donc sans ambages rangé du côté des plus faibles, ses prises de position sur les questions qui fâchent la malgouvernance, la crise anglophone et le code électoral l'ont régulièrement placé en désaccord avec le régime de Yaoundé. Son portrait ici dressé dans ce reportage que signe Farel Bounia, Donald Brice, Kamgan. Jusqu'à sa disparition ce 3 avril, l'un des plus grands regrets du cardinal Christian Toumi doit être sans doute la non-tenue de la deuxième conférence générale anglophone. Une sorte de rencontre préliminaire entre les fils et filles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu'il a souhaité dès 2018 afin de préparer un dialogue national sur la crise meurtrière des deux régions. Faute d'un quitus du gouvernement, la rencontre qu'il a activement préparée ne s'est jamais tenue. Des assises représentant aux yeux du prélat catholique la voie appropriée pour mettre fin au conflit dont il n'a raté aucune occasion, de s'alarmer des dégâts humains et matériels. Malgré ce conclave manqué, le cardinal Christian Toumi accepte de participer au dialogue national organisé en septembre 2019 à Yaoundé et prix de paix. Ces derniers jours, il laissait voir son engagement à propos des lenteurs dans l'application des résolutions de cette rencontre. Tous les yeux maintenant se tournent vers vous, monsieur le président.
d'une mise en application de ces propositions qui ont été faites par toute tendance dans le pays. Accusé d'être un soutien des séparatistes par les partisans du pouvoir, il était aussi rejeté par ces groupes armés qui le voyaient comme un pion du régime, lui qui refusait de faire écho de leur opinion, martelant son choix pour le fédéralisme. Une position jugée complice pour les groupes armés qui lui vaut son enlèvement le 5 novembre 2020 à Kumbo dans le nord-ouest. C'est cette liberté de ton qui a crispé les rapports de l'évêque émérite de Douala avec le pouvoir. À maintes reprises, il s'est dit favorable à une retraite politique du numéro 1 camerounais, pointant les détournements de fonds publics et la généralisation de l'injustice sociale sous son régime. Il dit, si était Paul Biya à son âge, je ne me présenterais plus. Un combat sans relâche pour une société plus démocratique par une réforme des institutions, le natif de son dans le département du Mbu dans le nord-ouest ne s'en cachait pas. Ce que nous luttons pour, c'est qu'il faut que nous ayons les lois électorales acceptables à tous et lancées. Les Camerounais vont décider par après une campagne électorale transparente. Créé cardinal par le pape Jean-Paul II en 1988, Christian Toumi, formé au Cameroun, au Nigeria, en Angleterre et en Suisse, décède alors qu'il vient de célébrer en octobre 2020 son 90e anniversaire dans un Cameroun qu'il espérait plus juste. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Formi Hamstron Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in this second segment of information in the English language after the official release from Archbishop Samuel Kleda announcing the passing away of Christian Cardinal Toumi. Catholic Christians in Cameroon's economic capital city, Douala, may converge at the St. Peter and Paul Cathedral in the nation's economic capital city in shock and disbelief. Their emotions were captured in the following report compiled by Charles Ekome. An atmosphere of death overwhelms the St. Peter's and Paul's Cathedral of Douala Saturday. The passing on to glory of he who served here as Archbishop, Archbishop Emeritus, Christian Cardinal Toumi, left faithful in tears. It is a bitter pill, just too difficult for them to swallow, as the news of Cardinal Toumi's death went viral. The converts here are being comforted by religious officials. They describe his death as a loss for the church and his country. In him, they saw a true servant of God, highlighting the fact that he died on the same day as their Lord and Savior, Jesus Christ. They are comforted by the upcoming resurrection at the second coming of Jesus Christ, according to Holy Scriptures. The man, the Reverend Father, the Bishop, the Archbishop and Cardinal Toumi was born on October the 15, 1930 in Kikakilaki in Kumbu in the Bui Division of the Northwest Region of Cameroon. Toumi, Cardinal Toumi, began his priesthood when he studied at the Diocesan Seminary in the Federal Republic of Nigeria, precisely in Ibadan, also studied in Bojida, and also studied in Enugu Secondary School in the Federal Republic of Nigeria before returning to Cameroon. Who the man was is captured in another report compiled by reporter Innocent Aze. The Cameroonian peace icon and highly celebrated prelate, His Eminence Christian Cardinal Toumi Wigan, described by many as a visionary, was born on October 15, 1930, in Kikaikilaki, Bui Division of the Northwest Region of Cameroon. He did his secondary studies at the Diocesan Seminaries and at the Seminaries of Ibadan, Bojija, and Enugu in Nigeria.
From 1969 to 1973, he obtained in Nigeria a teacher's training grade, a university general certificate of education at ordinary level in London, a licentiate in theology at the Catholic Faculty of Lyon, a doctorate in philosophy at the Catholic University in Fribourg, Switzerland. He is well versed in his native dialect in Sor Pidgin and Hausa, Latin, English and French. The Archbishop Emeritus of Douala was ordained a priest on April 17, 1966 in Sopot Diocese of Boya, and from 1966 to 1967 carried out his ministry as a parochial vicar in Fiango Kumba. From 1967 to 1969, he was a professor at the Bishop Rogan College Minor Seminary. In 1973, after having studied abroad, he returned to his diocese and was named rector of the Major Regional Seminary of Bambwi Archdiocese of Bamenda. He was also chaplain to the Association of Catholic Dams and was very involved in promoting the ecumenical movement, obtaining much esteem by Presbyterians and Baptists. On December 6, 1979, Cardinal Tumi was elected the first bishop of the Diocese of Yagua. Erected the same day, he received episcopal ordination on the 6th of January 1980 in St. Peter's Basilica. During his pastoral care, the local church developed rapidly, enriched with institutions and centers of formation, nursery schools and dispensaries. On April 23, 1982, he was elected Vice President of the Episcopal Conference, and on November 19, 1982, he was promoted to Co-Adjutor Archbishop of Garua. On March 17, 1984, he was made Archbishop. In 1985, he was elected as President of the National Episcopal Conference of Cameroon until 1991. He was also elected President of the Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar, a position he occupied in 1990 to 1994. His Eminence Christian Cardinal Tumi participated in the 6th General Assembly of the Synod of Bishops in 1983 and in the Extraordinary Assembly of the Synod of Bishops of 1985. President Delegates to the 8th General Assembly of the Synod of Bishops, 1990. President Delegates to the Special Assembly for Africa of the Synod of Bishops, 1994. He participated in the 2nd Special Assembly for Africa of the Synod of Bishops in October 2009. He became Archbishop of Douala on August 31, 1991 to November 17, 2009, with His Grace Samuel Kleda taking over. Cardinal Tumi participated in the conclave of April 2005, which elected Pope Benedict XVI. He was proclaimed Cardinal by St. John Paul II in the consistory of June 28, 1988. The prelate has been depicted as a visionary who has been one of the frontliners in seeking solutions to the ongoing crisis in Cameroon. In July 2018, he conceived the idea for organization of an all-Anglophone General Conference. This in a bid to heal the Anglophone crisis, though never authorized legally by government, that went ahead to convene a major national dialogue on October 4, 2019, with Cardinal Tumi being part of it. It is worth mentioning, so many books are to his credit, and the most recent is that which he gave an in-depth analysis and solutions to the Anglophone crisis. And Christian Cardinal Tumi also participated in the major national dialogue organized by President Paul Biya to find a solution to the Anglophone crisis and as well as other problems plaguing Cameroon as a nation. Speaking to Babla Jonathan at the end of the first plenary in Yaoundé, Christian Cardinal Tumi expressed hopes that events were moving to the right direction with much expectations that the desired results were going to come out of the major national dialogue, referring to the solution to the crisis rocking the northwest and southwest regions of Cameroon. Take a listen to Christian Cardinal Tumi speaking back then in Yaoundé.
His Eminence, you're welcome. You're just coming from the first plenary of the ongoing major national dialogue. What's your take on the discussions at the level of the plenary? I think it's passed on very well. I think so far, so good. Things are going on very well. I think within that short time, we are going to do quite a number of things. Propositions. Because the work that will be done will be that of the Prime Minister and the President of the Republic. Will make propositions, and we'll love to see those propositions put into practice. All right, His Eminence, we're hearing lots of complaints coming from the diasporans, people who are coming from the diaspora, hearing from political parties and so on and so forth, talking about a monologue, something that's supposed to be dialogue. They're talking about a monologue. I don't think it's monologue. Well, quite a number of speakers took the floor. When they say monologue, they should explain themselves. What do they mean? What do they mean by monologue? What do they mean? Ask them. They think that they are not allowed to speak. They are not free to speak. They are not given the floor to air their opinions. Now we have the commissions, and the commissions have been created, and anybody who is a member in the meeting can participate in any commission of his choice, his or her choice. And we come again to the assembly. If anybody has anything to say, we're giving the floor. I don't think so. I don't have that impression. That's my opinion. And at the peak of the Anglophone crisis, with consistent repeated confrontations, sometime in 2018, Christian Cardinal Toumi, in his effort to see that his opinions contributed to a solution to the problems faced by Cameroon, accepted to be guest on one of the televised programs on Equinox Television, The Insight, still with Babla Jonathan. And back then, he blamed the government of Cameroon for the poor handling of the crisis. He said the crisis was worsening because of poor management from the parts of the regime in Yaoundé. People in Kumbu did not know what was happening in Bim. When I told them I was in Bim, they said, "What did you go to do in Bim?" I said, "I went to witness myself for myself what the army has done in Bim." They don't know. The truth is not publicized. And there are also reports of looting going on. Looting by the army, I'm sorry to say it. The looting is by the army. And I think also the killing of some military men gives me the impression that they are not well trained militarily. I cannot understand how a well-trained young military man, how a young man in the village who is not trained can seize a gun from his hand and use it against him. Now the population is the enemy of the army. I can say that. And the deployment of young soldiers on the ground who just came out of school. Why the young are not the experienced? And we are told that this is by hearsay, some high-ranking military people use the occasion to enrich themselves because the government is spending. The government is spending for these operations. The top people do not render account of how the money they were given for this or that operation was spent. So are you blaming the worsening situation on poor management by the government? Of course, that is the obvious. The President of the Republic, for example, has not been to the Northwest or Southwest since he started. That's obvious. The people who should take this are not going to the front to see what's happening. The reality of the situation. Are you advising President Paul Biya to go to the Northwest and the Southwest? Of course. If I were him, I would go to the front to see for myself, to talk to the people. And the people themselves have been calling for it. Take, for example, the refugees in Nigeria. I was in Nigeria
during that period up to the interior of Igbo land, nowhere. I didn't go to where our refugees are found, but I was told that on the 31st of December, when the president gave his national political speech, some refugees trekked for 1 hour to a point where they could listen to the president's speech. And they were sorry that even in that he didn't make mention of them. And those were his supporters, members of the CPDM party, women. They trekked for 1 hour to go to a point in Nigeria where they could get clearly the speech of their president. And they were so deceived, you know, they were so disappointed. Christian Cardinal Toumi was a man who believed that Cameroon was better in the hands of young people, and in many occasions he called on young Cameroonians to take matters into their hands, telling them and reminding them that Cameroon was better in their hands. And in one of the programs on Equinox Television, Still the Inside, he reiterated the call on young Cameroonians that the future of Cameroon was in their hands. The future of a country is in our hands. Nobody can build Cameroon for us. I think that the young Cameroonians should be educated in patriotism, love of his country. When we were in school, in primary school, we were taught poems of love, patriotic poems, which I've never forgotten. Breeds there, the man who never to himself has said, "This is my own, my native land." Imagine a man in the world who has nowhere to go, who has no place in the world which he can call his own. "I vow to thee, my country, all earthly things above, entire and whole and perfect, the service of my love." What are they in primary school? The love that never falters, the love that stands the test, the love that makes undaunted the final sacrifice for the country. We're taught that in primary school. You can imagine, I finished my studies in Switzerland, and the same day I defended my thesis, I went to the market, bought canteens to pack my books and come home. No place like home. And for patriotism, I could have come back to Cameroon in 1973. My Swiss air was still coming to Douala. But I took the train from Geneva to Paris to travel by Cameroon Airlines, my national airline. Our national airlines. They're small. That was instilled in us when we were kids, love of your country. I prefer to be in prison in Cameroon than to be free outside Cameroon. The man who was determined to see a lasting solution to the Anglophone crisis is said to be passing away at a time when Anglophones needed him most. Those of the Northwest Regional Chief Trambamenda say Christian Cardinal Toumi was seen as a Moses that was going to save Anglophones, helping them to witness peace in their regions once again. Bustela spoke to some Bamenda city dwellers, but also had an encounter with the Archbishop of Bamenda, who testified on who Christian Cardinal Toumi was. To look for sorrow is the gift of God.
The Christian community went silent in the early hours of this Saturday, April 3rd, 2021, as His Eminence Christian Cardinal Toumi ends his journey on earth. First of all, the Cardinal has been sick for about 3 weeks in the hospital, and I was following up every day of his situation, and we kept praying and hoping that he would recover. But from the way we were following the events, we began to pray that the will of God should be done. And so when they called me at 2 o'clock in the morning to inform me about his passing, I simply said, the will of God has taken its course. The pillar in the Catholic faith in Cameroon, the man of justice and truth, the advocate of peace, the Moses of our time, is Cameroon's first cardinal, His Eminence Christian Cardinal Toumi, in the eyes of His Grace, Andrew Fwanyankea, Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Bamenda. We remember Cardinal Toumi as a convinced Catholic, someone whose faith was unwavering, and someone who did his best to transmit the faith to others. Remember Cardinal Toumi as a fearless apostle. He is a man who stood for the truth and was completely unwavering when it came to the truth. Cardinal Toumi was an advocate of peace, especially within this crisis of the Anglophone regions. Cardinal Toumi has done everything within his powers to preach peace, to promote peace, and to work for the return of peace within this region, the two regions of the Northwest and the Southwest. And I think he's dying at a time when I would say there's hope at the end of the horizon. So it is like Moses, who saw the promised land but did not enter, in this sense of the peace, that he sees the peace coming but he has not seen the absolute peace. And I think we will continue to push that legacy of his until we get absolute peace back in our country. Cardinal Toumi struggled to see a sustainable resolution of what became known as the Anglophone crisis and him a night in captivity. Peace is not a gamble. Peace is an absolute necessity. And although the Cardinal is not there, together with my other brother bishops, we are going to continue this crusade for peace within our two regions. We will not relent. For me, peace is an absolute necessity. We had it before, we lost it, we must find it again. The last time he stayed in his apartment at the Archbishop's house in Bamenda was during the visit of His Eminence Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State at the Vatican in February 2021. His death on a day commemorated as Holy Saturday, Christians believe, is a sign His Eminence Christian Cardinal Toumi is resting in peace. And to Archbishop Jean Barga, Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, Christian Cardinal Toumi was an emblematic priest who unfortunately went when many expected him to continue to live to impact the society. It is a very terrible message for us, and we are suffering to know that at this moment this good personality is now out of this world. That's why I want to express my condolences to the Archbishop of Douala, Monseigneur Samuel Cléda, and all the diocese, and all the faithful, and all the family. We will pray for him. We will intercede for him, because by something like at random, he died at this moment when we are celebrating the Easter of Christ. That means he will also be called to the eternal life by Christ, because Christ is risen.
I want to say something about the dimension of this bishop, archbishop and cardinal. He was a great man, and he gave all his life, all his energy, all his wisdom to serve God in his people, in the church and in the nation, and also in the international level. We thank God for this gift for us, and we pray that God continue to serve his soul, and we also we will continue to pray for the church in Cameroon and for the nation, for the unity of the Cameroon and for the solidarity among us. And tear-provoking condolences and testimonies have been streaming in since the official announcement of the passing away of Christian Cardinal Toumi, one of them a Catholic Christian who says he is the godson of Christian Cardinal Toumi. And an opinion leader in Cameroon, Dr. Nick Nguanyam, says Christian Cardinal Toumi's passing away is a great loss to the nation, and says he had a lot of inspirations from the man, Christian Cardinal Toumi. Why so? Because I was so devastated with the passing on of His Eminent Christian Cardinal Toumi. When I turned on my phone this morning, I saw that he had passed on yesterday, Good Friday, in the night. I was lost. To talk about His Eminent Christian Cardinal Toumi is the subject of a whole book. The Cardinal is someone special to me in a special way. For people who have been wondering where I get my moral authority from to be able to speak the way I speak on issues, let it be very clear that the Cardinal has been behind that. My way of thinking, my way of acting, and my worldview. So you can understand the loss I am into. And to say that the Cardinal was one of four persons, the last of the four persons I used to depend on for clarity. My wife has told me a couple of things or asked me to do things sometimes. I say, I'm convinced about this view. Only the Cardinal can help me to see otherwise. So that tells you exactly what he meant to me. The Cardinal is my godfather, and he exchanged his spirit with me, just like what happened between Elisha and Elijah. He was my moral backbone. It's from him that I got the strength to be who I am. It's true that we depend on Christ and the Bible for the teachings, but we walk in the physical world, and we need mentors in this physical world to be effective. And he was my physical mentor. And at the St. Peter and Paul Cathedral, visited by Charles Ekoume, Christians could not hold their feelings. They cried out and also were disappointed with the images of his body circulated on social media. And one of them is Augustine Weno, who spoke to Charles Ekoume in Douala. I know that His Eminence Christian Cardinal Toumi, as the highest ecclesiastical personality in Cameroon, had come of age. He has gone above 90. But in fact, the cardinal angels and saints have lifted the servant of God, the apostle of Christ, this fine pastor, this good priest, this moral encyclopedia, to the beatific glory of God. At the time, Cameroonians need him desperately, because the light of the Cardinal Christian Toumi I no longer see in our generation, in this era. His Eminence Christian Cardinal Toumi, I want to decry here the wrong and the stupid use of social media by some of us who have become devil's incarnate, because whoever had filmed the mortal remains of His Eminence Christian Cardinal Toumi and is displayed on social media is a devil incarnate. That is satanic, because such a person just need deliverance and conversion. Even back in our country, you and I, we are Africans.
The body of a king is never seen. Talk less of the body of an apostle of Christ, who is not an official funeral. If it's an official funeral, that the mortal remains is displayed for viewing, okay? But the mortal remains in his bed, no, it's uncalled for. I said, whoever had done it should ask for deliverance, because heaven is not happy. Christians are not happy. The bishops are not happy. This is the wrong use of social media. The U.S. Embassy in Yaoundé on the passing away of Christian Cardinal Toumi says the U.S. Embassy expresses its deepest condolences on the passing away of Cardinal Christian Wigan Toumi, Archbishop Emeritus of Douala. Cardinal Toumi, according to the U.S. Embassy, was the first and only Cameroonian cardinal of the Catholic Church in Cameroon, a tireless advocate for dialogue and an end to the conflict rocking the northwest and southwest regions of Cameroon. Cardinal Toumi contributed to Cameroon's democratic development, and his legacy is as a defender of peace will always remain resonate for generations. That is the statement released by the U.S. Embassy in Yaoundé, Cameroon, Nadine. Effectivement, Fomi, vous l'avez dit, les réactions ne cessent de se multiplier après le décès du cardinal émérite Christian Toumi. Le Bureau Afrique centrale de l'ONU rend hommage au prélat. Selon les Nations Unies, le Cameroun perd un homme de paix et de justice qui a joué un rôle clé dans la recherche des solutions aux conflits armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et l'ambassade des États-Unis au Cameroun présente également le cardinal Christian Toumi comme étant un défenseur du dialogue pour la résolution du conflit armé. Le Cameroun, dans le cardinal Toumi, qui a donc contribué au développement du Cameroun. La représentation diplomatique estime que son héritage constitue une source inépuisable d'inspiration pour des générations à venir. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de l'émission spéciale consacrée au décès du cardinal émérite Christian Toumi avec Serge Alain Routou et ses invités sur le plateau d'Equinor Soir. Serge Alain.
Retour sur le plateau Equinoxoir spécial, cette édition consacrée à la disparition de l'archevêque, l'évêque émérite de la ville de Douala, Monseigneur Christian Wigan Toumi, pour parler de cette actualité qui fait débat depuis ce matin. Ils sont là, qui veut parler de cette affaire. C'est-à-dire que ces images qui choquent, qui font le tour du monde, les débats sous les chaumières, on en parle. D'abord sur la circonstance, l'abbé Pierre Bakaba. Étienne Bakaba. Les circonstances de la disparition du cardinal Toumi. Jeudi dernier, lors de la messe chrismale, Monseigneur Samuel Clida, l'archevêque de Douala, a passé un communiqué de part à son vicaire général, Monseigneur Dieu de Bokmis. Il nous annonçait de prier ardemment pour son éminence, le cardinal Christian Toumi, qui était admis sous soins intensifs dans une clinique de la place. À l'évêché, il y a quelques prêtres qui habitent avec l'évêque, et donc ils ont été organisés en communauté. Et chaque prêtre allait passer la nuit au chevet de son éminence, le Christian cardinal Toumi, pour prier. Et puis le matin, il revenait faire le point au petit déjeuner aux autres. Il se trouve que dans la soirée de vendredi hier, le cardinal a demandé à revenir dans ses appartements privés avec le OK des médecins qui pensaient déjà que son état était miraculeusement stable. Mais vous savez, quand quelqu'un part généralement, il nous fait croire qu'il se sent déjà bien, alors qu'en fait, c'est le dernier moment. Alors, il a été admis dans la soirée d'hier dans ses appartements. Et là, à l'évêché, quand je parle des appartements, il s'agit de l'évêché. Ce qu'on voit, la scène qui a malheureusement été mise sur la scène publique se déroule à l'évêché, dans la chambre de l'archevêque émérite. Il y a un médecin qui est personnel de la clinique en question. Il y a un infirmier qui est personnel sanitaire d'une de nos formations sanitaires, donc des hôpitaux catholiques. Il y a un séminariste que je voudrais saluer ici, le jeune séminariste à Tangala, qui a été qui est en stage chez le cardinal jusqu'ici et qui a été vraiment, qui a puisé toutes les bénédictions que vous pouvez imaginer qu'on peut prendre autour d'un vieillard qui est malade. Je n'entre pas dans les détails. J'espère que ce sera pour lui un signe salutaire pour sa vocation. Il y a David, qui est pratiquement le fils du cardinal, qui a été arrivé avec lui le 5 novembre voilà, dernier séparatiste. Donc, lorsque nous sommes là, il y a la dernière prière qui est faite, les prêtres vont se reposer parce qu'il y a un personnel médical qui est là. Sauf que autour de minuit, une heure par là, le père s'en va. Et quand il s'en va, malheureusement, celui qui a fait la vidéo, il essaie d'exprimer qu'il voulait justifier le pourquoi de sa nuit hors de son cadre familial à son épouse. Et donc, il aurait malencontreusement fait, je ne le justifie pas, cette vidéo, pour la passer à son épouse. Je dois dire, sans le justifier en aucun cas, que c'est quelqu'un qui est connu dans nos institutions sanitaires parce qu'il s'est suffisamment occupé de plusieurs prêtres malades. Quelqu'un qui est... Celui qui fait la vidéo? Oui. C'est de lui que vous parlez? Oui, l'infirmier qui fait la vidéo, qui est de très bonne moralité d'ailleurs, mais on est quand même surpris que, malheureusement, ça se qu'il ait gravement violé la déontologie de son métier. Et on comprend le courroux qui est le nôtre, qui est de tous qui ont vu la vidéo. Je ne vais pas l'amener au confessionnal pour lui donner l'absolution. Je crois que malheureusement, pour un cas comme celui-là, puisqu'on est dans un cadre professionnel, la justice doit faire son travail. Nous avons vu les sorties des différentes personnalités et ceux qui s'en indignent. Malheureusement, c'est arrivé comme ça. Mais le cardinal, il faut le dire, il est mort, il est rentré vers le père dans les conditions les plus dignes possibles. Je crois qu'il ne pouvait pas avoir mieux que cela. Et cela me laisse peut-être conclure
avec ces paroles de l'évangile selon Saint Jean, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Je considère que le cardinal, il n'est pas mort, c'est un grain de blé pascal qui a été ensemencé. J'espère que nous qui sommes encore là, ses petits-enfants, ses enfants et même ses congénères, nous saurons tendre la main vers ses pêches pour continuer à être des prêtres utiles pour notre nation, pas seulement pour l'Église. Merci Abbé. Cette formule, je crois, elle a été reprise dans Germinal par Émile Zola. Voilà, Edmond Kamga, pour vous, cette image, ou bien vous voyez l'homme, l'artisan, l'homme qui voulait à tout prix que le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest trouve une solution et qui a demandé à être reçu par le président de la République, malheureusement. Un mot rapide sur les images pour dénoncer l'usage qu'a fait celui qui a filmé le cardinal Toumi dans cette circonstance particulière. C'est indigne, c'est contraire à l'éthique et à la morale. J'ai écouté le copanéliste tout à l'heure, l'abbé Bakaba, préciser comment ça s'est passé, mais j'estime que la raison invoquée pour justifier sa présence, pour justifier le fait de filmer le cardinal dans cette condition, ne peut pas se justifier. C'est inadmissible. On ne filme pas une autorité morale pour faire plaisir à une épouse. Je dis non. C'est indigne. Et je souhaite que la justice puisse faire son travail et que les responsables qui ont fait ça, qui ont commis ça, soient sévèrement sanctionnés. Maintenant, sur la crise anglophone, je dois le dire, parce que j'ai eu l'occasion depuis plus de 30 ans, aux côtés de cardinal, à l'interviewer, à l'aider même à publier des ouvrages, à relire des ouvrages, même à être co-auteur de certains ouvrages avec lui, que la crise anglophone est malheureusement la dernière croix qu'il a portée jusqu'à sa mort. Il a souhaité, de bout en bout, organiser la conférence générale anglophone. Malheureusement, le gouvernement et le chef de l'État ne lui ont pas permis d'organiser la conférence générale anglophone qui aurait permis d'avancer suffisamment pour que nous parvenions à un cessez-le-feu. Je crois que c'est l'une des choses avec laquelle il est parti avec une saveur amère. Maintenant, pour nous autres qui sommes encore vivants, je voudrais dire que le cardinal Toumi avait une haute idée du Cameroun. Il avait une haute idée surtout de la jeunesse camerounaise. Il a toujours dit, soyez optimiste. Il souhaitait que le Cameroun d'aujourd'hui et de demain soit meilleur que le Cameroun d'hier et des spasmes et des guerres que nous connaissons aujourd'hui. Et je crois que une des dernières leçons qu'il nous a prodiguées aux Camerounais, c'est une leçon d'espoir, d'espérance, la nécessité, quelles que soient les circonstances, de dénoncer les injustices, de prêcher la vérité, d'être solidaire et de faire en sorte que nous vivions dans une société où le tribalisme sera repoussé le plus loin possible. Dans une société où nous serions plus frères qu'autre chose. Et je vais chuter en lui rendant un vibrant hommage pour tout ce qu'il a apporté au Cameroun, à l'Afrique et au monde entier. Et je salue le grand homme d'église. Je salue le premier et l'unique cardinal camerounais. Mais je salue davantage l'intellectuel. Et j'ai eu le privilège et l'honneur de me faire préfacer cet ouvrage en 2003 par le cardinal Christian Toumi, le journalisme du carton, journalisme du carton rouge. Réflexion et chronologie des années orageuses. Et dans sa préface, il conclut, je voudrais le citer, un message à l'endroit des journalistes
camerounais. Il dit un journalisme démocratique n'est pas celui qui bénit indifféremment tout et tout le monde. C'est au contraire un journalisme qui prend parti pour la vérité. Fin de citation. Merci. Merci à vous. Voilà, d'abord Eric Pépin-Bikaï sur cette situation malheureuse qui vient alourdir encore la peine. Ces images depuis le matin. Elle peut être malheureuse parce qu'elle arrive pendant un moment aussi difficile au départ du cardinal émérite Christian Toumi. Mais il faut également ne pas s'assainir de dire que ces types de pratiques sont devenues monnaie courante dans notre société depuis l'arrivée des smartphones. Bon nombre de nos compatriotes se baladent dans des lieux de tristesse pour essayer d'immortaliser ce qui est immortel. En fait, on peut inscrire ça comme étant ce qui n'est pas immortalisable. Et cette culture a tendance à se généraliser et à participer un peu du culte de la banalisation de la mort ou alors de la banalisation de la peine. Et je pense que c'est dans cette optique que l'infirmier personnel du cardinal Christian Toumi s'est retrouvé en train de filmer un corps inanimé d'une personnalité éminente et respectée comme la posture du cardinal. Vous avez suivi l'abbé Étienne tout à l'heure. J'ai suivi la communication de... Oui, il était pour donner des explications à son épouse. À suivre la vidéo parce qu'il y a un audio qui s'accompagne de ces images. On avait comme l'impression que le justificatif qu'il donne et qui a été relayé par l'abbé Étienne tout à l'heure ne semble pas être collaboré avec la réalité du son qui vient derrière, qui accompagne l'image. On avait comme l'impression que pour lui, il fallait justifier que le cardinal est bel et bien mort. Et il fallait les images. Parce qu'il parle, il évoque des paroles très douloureuses, telles qu'il faut la corde pour attacher. C'était des paroles, sont des paroles très violentes. Au sortir de là, je pense que la justice camerounaise va prendre ses responsabilités, essayer de dire du droit sur ce cas-là. Et il faudrait justement qu'on arrive à éduquer nos congénères du fait que il faut qu'ils arrêtent de filmer les corps. Ils arrêtent de se balader pendant les périodes douloureuses dans les lieux de douleur pour filmer les corps. Parce que c'est une pratique qui a tendance à se généraliser. Okay. Lorsqu'on vient assister des gens qui ont perdu un être cher, on les assiste en pleurant. On ne les assiste pas en essayant d'immortaliser un corps inanimé. Donc, je vais sortir par là. Mais également, n'est pas évoqué le fait que évoquer également autant pour moi le fait que le cardinal a laissé un peu l'image d'un goût amer pour un certain nombre de concitoyens, parce que l'abbé l'a évoqué tout à l'heure, son statut de pont entre deux Cameroun, c'est-à-dire Cameroun francophone et Cameroun anglophone, de par le message qu'il a véhiculé, la théologie qu'il a appris, au fur et à mesure que le temps soit passé, on a eu comme l'impression qu'il est resté inaudible par rapport à ce qu'il voulait pour le Cameroun. D'un côté, du côté anglophone, il était perçu comme quelqu'un qui était un collabo des francophones. Du côté francophone, il était perçu comme quelqu'un qui était un soutien des anglophones. Bref, il est resté un peu comme le marteau et l'enclume. Okay. Quelqu'un qui veut la paix d'un côté et qui n'est pas compris de l'autre. Ok, merci. Père Ludovic Lado, est-ce que ces images viennent ajouter encore plus à la douleur? Oui, bien évidemment. Je crois que ça a déjà été dit. Je ne vais pas revenir sur ce malheureux incident, parce que bien évidemment, on n'avait pas besoin de ça du tout. Et je crois qu'il faut en tirer les leçons pour nous tous d'ailleurs. Il faut qu'on apprenne à respecter la dignité des vivants comme des morts. Et donc c'est vraiment un geste regrettable qui est inadmissible et injustifiable. Mais je ne voudrais pas sortir sur cette note triste, parce que bien évidemment en Afrique, quand on meurt à cet âge-là, on ne pleure pas,
mais on célèbre la vie d'un patriarche parce qu'il entre dans l'ancestralité. Il rejoint les ancêtres et les ancêtres ont, n'est-ce pas, le devoir de veiller sur les vivants. Et j'aimerais donc sortir en rappelant ou en citant cette phrase de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte d'ailleurs très jeune, et qui, avant de mourir, a dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et donc, mon souhait, et je l'adresse directement à notre ancêtre, le cardinal Toumi, je le prie de passer justement son ciel à faire du bien au Cameroun, surtout en ce qui concerne la recherche de la paix. Il n'a pas pu l'avoir de son vivant, mais dans une logique de foi, nous croyons que quand on accède à ce nouvel état dans lequel il se trouve actuellement, on est plus efficace que quand on était sur terre. Et donc, voilà, c'est mon vœu et je le lui adresse. Et je souhaite que tous les Camerounais qui le pleurent deviennent automatiquement, comme lui, des artisans de paix pour que, justement, nous puissions perpétuer sa mémoire d'homme de pont, d'homme de paix, et que, encore une fois, le Cameroun retrouve la paix. Ok, merci Père Ludovic Lado. On accueille Charles Dicam. Charles Dicam, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Outou. Bonsoir mes compagnonistes. Voilà, quand vous dites cardinal Christian Toumi, vous pensez à quoi, cet homme-là qui voulait à tout prix la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest? J'ai la chair de poule rien qu'à l'évocation de son nom, parce que le chrétien catholique que je suis perd un guide, le guide. Cet homme n'a pas pu faire tout ce qu'il aurait voulu pour notre pays. L'occasion ne lui en a pas été donnée. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour savoir si le gouvernement de la République s'est déjà manifesté depuis son décès. Parce que j'entends des voix venir de partout. Mais là où il aurait fallu qu'aux aurores, ce soit lui qui nous annonce la mort d'un concitoyen aussi éminent que celui-là, ils sont encore malheureusement en retard. C'est dommage, ce pays tue ses propres enfants. Quand je dis il les tue parce qu'il ne les utilise pas à bon escient. Voici un Camerounais parmi les Camerounais, mais pas des moindres, qui a voulu donner à son pays tout ce qu'il a reçu de lui. Et je voudrais ici, tout est politique dans la vie, donc que personne ne me dise que je fais de la politique, parce que tout est politique. Tous les actes que nous posons sont politiques. Si M. Paul Biya avait un jeu de cartes, qu'il sache qu'il vient de perdre un de ses as. Parce que je pense sincèrement que s'il avait été permis au cardinal d'aboutir dans le projet qu'il avait, nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui. Je ne pourrais ne pas évoquer le sujet avec lequel vous avez terminé tout à l'heure. Dommage, l'abbé est parti, mais je voudrais dire à l'abbé que si jusque-là ce monsieur faisait preuve d'une certaine probité morale, ça devait simplement être dans la cour de la cathédrale. Parce que si son épouse avait besoin qu'il lui envoie des photos pour lui dire où il est, ça veut dire que sa probité n'était pas reconnue chez lui à la maison. Non, que la justice fasse son travail et qu'il soit puni avec la plus grande sévérité. Franchement, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction s'il avait été en face de moi. Mais peut-être que si ça s'était passé à la cathédrale, eu égard à l'environnement, je lui aurais accordé mon pardon. Mais le pardon n'exclut pas la justice avant. Jacques Baboula, bonsoir. Bonsoir, Serge. Voilà, le cardinal Toumi était président de la commission numéro 6 lors du Grand Dialogue National du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. Président de la commission numéro 6, celle du désarmement, démobilisation, réinsertion des ex-combattants, entre autres chantiers. Et vous l'avez suivi, il y a aussi eu ce projet-là, la
Conférence générale anglophone. Que des chantiers inachevés pour le cardinal Touré. Oui, que peut-être pas de sa faute, hein. Je pense que en tant que prélat, il s'est battu également en tant que militant pour la justice, militant pour la paix, militant pour l'unité de ce pays, mais incompris parce que venu d'un monde spirituel, et il devait faire face à un monde politique dans lequel des enjeux énormes se jouent. Mais ceci dit, je pense que nous devons garder de lui un homme qui a donné toute sa vie pour nous montrer le chemin de la justice et de la vérité. Aujourd'hui, en sa mémoire, ce que je voudrais dire, inutile de verser des larmes, car toute sa vie, il vous a demandé de déposer les armes. Et la seule façon de nous réconcilier avec lui serait que nous déposions les armes, afin que revienne la paix pour laquelle il a donné son âme. Alors, si tous ceux qui ont pris les armes aujourd'hui ont conscience que cet homme était la cheville ouvrière de notre unité nationale, de notre paix, je crois que en la mémoire de celui qui a donné toute sa vie pour ramener les fils et les filles de cette nation sur la même table, dans une entité une et indivisible, je crois qu'il est grand temps que ceux qui ont pris les armes les déposent. Voilà. On va donc faire un tour du côté de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, hein, de Moudandibon à Douala. On nous attend Gladys Sidié. Les lampions se sont éteints de ce côté-là. Gladys Sidié, Danny Warren Zede. L'église porte le deuil. Un berger est monté au ciel. Ce rituel qui est effectué ici, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, c'est une tradition des samedis de veillée pascale. Un feu de camp est allumé à l'extérieur. Les catéchumènes déjà installés vont prendre la lumière de l'extérieur pour l'intérieur. Tout simplement parce que les lumières du temple sont éteintes en guise de deuil. Je vous le disais, c'est un rituel de samedi de veillée pascale. Mais la mort de son éminence, le cardinal Christian Toumi, attriste davantage les fidèles catholiques. Par petits groupes, ils sont réunis à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Ils évoquent les souvenirs de l'homme. Pour certains, les moments qu'ils ont passés avec lui, et d'autres n'hésitent pas à écraser une larme. Ils sont partagés pour la plupart entre un sentiment de joie, la joie de le voir partir durant cette période, qui est tout de même une période forte pour l'Église catholique, mais davantage cette séparation. Les chrétiens catholiques ont du mal à réaliser véritablement que son éminence, le cardinal Christian Toumi, s'en est allé. Pour plusieurs, ils avaient l'impression qu'il était immortel, mais que non, le Seigneur en a décidé autrement. Et donc, la période s'y colle. Le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié hier va ressusciter. À minuit exactement, les fidèles pourront chanter « Hosanna, Hosanna, il est ressuscité ». Mais l'ambiance ici à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala est lourde pour Equinox Télévision. Danny Warren Zede, Gladys Sidié. Merci Gladys Sidié et Danny Warren Zede depuis la cathédrale Saint-Pierre et Paul Bonadibon de Douala. Welcome, Dr. McAnthony. Thank you very much, Saint-Jolin. Voilà, moi j'entre avec on va le dire, le cardinal aimait à le dire, ceux qui prétendent que je suis séparatiste se trompent. What does that mean? You know, the cardinal as an individual, in relation to the fact that he was, to put it in a generic word, an anglophone. Yes. Had this, should I say, this desire to make things happen for his people. But a lot of persons do not actually understand him, especially those of the French expression. Some of them thought because he is struggling to solve the problem, he should be an humbug. Because to an extent, a lot of persons believe now in Cameroon that when you speak English, then you should be a number. So that is where he stood to make that statement that you are mistaken if you consider me to be one. Because he is somebody who is a fighter for justice. If I can say something concerning this man,
You know, I've been thinking things. For the short time that I've gotten to know him, I have come to realize that he's a man, not only a man who wants to speak truth, but a man who wants to see justice, a man who wants peace, a man who today we can identify him as an icon, a man whom we can consider him as an, should I use the word legend? And above all, I will tell you this, Mr. Search. This man we are looking at today, gone. Some people believe that he's dead, but in Africa we don't believe in dead. We believe that people get to rest and yes. Or they enter the other world. The same way in the Christian belief, we don't believe that people die because we believe that when you close your eyes, you get to rest and you wait for the general resurrection. He, as an individual now, to the Roman Catholics, we could say he has joined the saints. To Africans, we would say he has joined the ancestors. So while others are mourning that a man is dead, some of us, we are celebrating that we've gotten a saint in relation to the Catholic perspective. And others, traditionalists and Africans, are saying that we have gotten an ancestor because he has passed into the realm where he can. I heard the priest Ludovic saying that. The Père Lado. Yeah, he says he prays that he should use his eternal rest to intercede for Cameroon. The problem, you see, of Cameroon. Yes, you see, that's the mindset where the Catholics believe that once you die, you can still intercede. That's the same mindset where Africans believe that when you die, you can still intercede. That's why you, when somebody dies, they go pouring libation and in doing all that. And so I want to say that he is somebody whom we will forever respect. He's somebody whom Cameroonians should in every way struggle to emulate his style of life. He was an individual who never held himself when he saw injustice being meted on anybody. It doesn't matter who the person was. He made sure he intervened. He was ready to give his life in order to make sure that Cameroon returns to peace. Okay. It was just unfortunate that in trying to organize the All Anglophone Conference, he was not given the opportunity to make sure that he talks to his people in order to bring them to a place where they could have comprehension and let peace return. I want to say that if the situation is degenerating today in Cameroon, it is one of the reasons is because they refused giving him the opportunity to present that. It's true that he made his proposals during the national dialogue. He made proposals about 400 pages and handed to the Prime Minister. But that was not the what he actually could have done if he got that the Anglophones on the table. It would have been different. And so not giving him that opportunity till he died to have gathered those On a vu le maire de Bouillard, yes, de regretter mémoire, s'opposer à la tenue de cette conférence générale anglophone. That's à true. Bouillard. That's very true. You see, I asked the question, who was a mayor to have rejected what could have brought not just the people of Bouillard together, but Anglophones generally? Mm-hmm. So I knew that there was a force behind him, not just the words of mayor. It was more to that. So it means that it was coming from somewhere greater. Okay. So we look at that not just from the lower. Thank you. On va permettre d'abord à Charles Dicam qui va nous quitter dans un instant. Vous vouliez dire quelque chose avant de partir? Je voudrais dire que nous avons coutume quand un des nôtres a atteint un certain âge de dire que nous allons plutôt le célébrer plutôt que le pleurer. Oui. Alors, je voudrais qu'il en soit ainsi à propos du cardinal. Il a atteint un âge vénérable. Il a posé des actes pour son pays, pour sa nation, à nul autre pareil. Et que la meilleure manière que nous ayons de lui rendre hommage, c'est de le célébrer, de célébrer sa vie, de retenir de lui
qu'il a profondément aimé son pays. Et si vous avez suivi les reportages pendant le journal, il a fait référence à ce qu'on nous enseignait quand nous étions un peu plus jeunes dans les écoles primaires et maternelles. Il est temps que les Camerounais se réapproprient leur patrie. Quand nos enfants vont apprendre à partir de 3 ans ou 4 ans ce que c'est qu'une nation, ce que c'est qu'une patrie, peut-être qu'on aura gagné beaucoup. Okay. Beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Voilà, merci Charles Ducamp d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Pascal Fomekon, le cardinal Toumi était tellement attaché à cette paix-là dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'il en a même payé pour sa liberté, parce qu'il a été kidnappé le 5 novembre 2020. Oui Serge, je commencerai déjà par dire que peut-être il faudrait parler au père de la nation d'ailleurs, peut-être. Pour dire, ça trottine dans ma tête depuis que j'ai appris cette nouvelle de la mort du cardinal, peut-être un jour de deuil. Parce que là, un jour de deuil national, parce que nos jeunes manquent de repères. Voilà un repère. Je peux vous dire, Serge, la première fois que je rencontre cet exemple, ce monument camerounais, la première fois qu'il rencontre, je vois en lui, je le vois devant moi, un jeune, mais dans un corps qui a vieilli. Donc je vois un jeune homme. Et je vois une réalité que le Cameroun manque à percevoir. Déjà que nous sommes de deux obédiences religieuses différentes. Il est catholique, je ne suis pas catholique. Mais il m'écoute, nous conversons, nous prions ensemble. Et je vois cet amour, ce goût de la justice, je vois un homme de Dieu. Et l'exemple se pointe juste quelques temps après. Nous sommes en train de converser et de prier. Je vois une jeune femme qui insiste. Non, je dois te voir, cardinal. Non, je dois te voir. Et finalement, il me dit, écoute un peu, Pascal. Je dois d'abord la voir. Ce bébé qu'elle tient en main, il est un peu malade. Et si je te dis le témoignage de cette femme, cet enfant, elle a cherché des années et des années. Et finalement, après avoir prié, elle a eu cet enfant. Cette femme ne veut pas entendre parler d'hôpital. Parce qu'elle voit dans le cardinal l'homme qui lui a donné l'enfant. Et directement, j'ai vu dans la Bible une image très forte. Un prophète appelé Élisée, qui est une femme très, très riche. Il permet à cette femme d'avoir un enfant. Et quelques temps après, cet enfant meurt. Pendant que tout le monde, les troupes de pleureurs, de pleurnicheurs sont tout autour, inclus son mari. Elle dit aux gens, elle se lève et dit, je m'en vais, qu'est-ce que son mari est surpris. Elle dit, tout est parfait, il n'y a pas de problème, emballez-moi l'enfant. On emballe l'enfant, elle ramène l'enfant, elle met entre les mains de Élisée. Et l'enfant retrouve vie. J'ai vu cette même image dans ce temps. J'ai dit, nous avons perdu quelqu'un de grand, nous parlons de célébrer, nous pouvons dire qu'on peut célébrer un grand Camerounais. À part ce côté de la jeunesse, parce que c'est vraiment un problème, Serge, je peux te le dire. Je me rappelle le 6 août, peut-être toi qui parles, tu l'as oublié, tu m'as appelé à inviter un programme ici à la télévision, c'était le 6 août 2020. Et qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Il y avait un pasteur, j'ai dit un bandit. Un bandit qui a intégré l'église et qui s'est fait appeler pasteur et qui demande aux jeunes de ne pas aller composer le BEPC. Voilà le sujet qu'on avait ce soir-là. Ouais, ouais. J'étais prié de Yaoundé, est-ce que je peux t'envoyer quelqu'un pour me remplacer? Tu as d'abord dit oui, quelques temps après tu me dis non, ma hiérarchie s'oppose. Si c'est un pasteur d'église réveillé, ce sont tes propres mots, je l'ai en prise d'écran. Ça c'est un problème, je vais te dire. Non, voilà un grand homme. Enfin, je vais te dire pourquoi. C'est un grand homme qui transgressait ses barrières religieuses jusqu'à la culture africaine. C'est pour ça que je dis, voilà un Camerounais complet qu'on vient de perdre. Parce que beaucoup aujourd'hui qui parlent de Jésus, qui parlent de chrétiens, vont te dire, le blanc nous a apporté l'amour de Dieu, mensonge. Avant que le blanc n'arrive, nous aimons Dieu. L'Afrique aime Dieu. L'Afrique a sa culture. Nous aimons peut-être même mieux Dieu qu'eux-mêmes. Oui, Serge, je ne sais pas si tu veux compléter, mais je voulais peut-être d'abord chuter pour dire qu'en lui, on perd justement ce jeune qui prend l'église et la porte à la portée de tout le monde. Je peux te dire, Serge, Jésus, si tu veux, je te le dis en termes que les jeunes aiment, un chogar. C'est un chogar. Je suis un viveur. Moi qui te parle, je suis chrétien. Je roule dans l'une des plus belles voitures. De Douala, je peux te le dire sans doute. Pourquoi? Parce que Jésus est chogar. Jésus, pourquoi il est chogar? Il dit, quand tu jeûnes et tu pries, mets ton plus beau costume. Parfume-toi. Quand il rencontre cette femme-là, elle est prostituée au puits, alors que les disciples sont dépassés. Donc, ce type que nous suivons, il parle même aussi avec les prostituées.
Mais Jésus vient lui apporter. Voilà cette belle femme, jeune femme que les hommes sont venus tromper année sur année. Elle est dans la prostitution, elle va au puits dans la nuit. Merci. Jésus vient la retrouver, Serge. Oui, donc, il dit, en lui, nous avons perdu un exemple, un monument de la jeunesse pour attirer la jeunesse vers Jésus. Ok, merci Pascal. Bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir Sajalotou, bonsoir compagnie, bonsoir à ceux qui sont passés ici avant nous autres. Raphaël Ndougou, voilà, j'ai dit tantôt, le cardinal Toumi, il arrive, il est archevêque de Douala le 30 août 91, ce qui correspond à l'histoire du Cameroun, ce qu'on a appelé les années de braise. Et vous savez qu'à une certaine période, il n'était pas en odeur de sainteté avec le pouvoir de Yaoundé. Parce qu'il a dit qu'il regarde l'être humain sur le plan spirituel et sur le plan social. Oui. Pendant que l'État, c'est le contraire. C'est ça qu'il a dit il y a un an exactement, lorsqu'il avait été accordé son interview à la chaîne nationale, alors que le président venait lui faire confiance dans le cadre de la commission de suivi des recommandations du Grand Dialogue National. Grand Dialogue. Alors, ce monsieur, avant de répondre à cette question, il est mort un jour que nous étions en douleur, nous autres chrétiens. Ça dit ce qu'on appelle vulgairement Vendredi Saint. Il est mort sans trop de bruit. On n'a pas entendu qu'il était trop malade. Il est mort à un certain âge. Ça dit que je crois qu'il a atteint un siècle. Parce que quand on regarde quand même les hommes de cet âge-là, l'acte de naissance n'était pas facilement établi dès qu'il a la naissance. Donc il avait atteint. Non, non, on va pas aller. Je voulais dire. On s'en tient. 1930, ça fait 91 ans si. Justement, en octobre. Il va pratiquement un siècle. D'accord. Oui. Restons sur 90 ans. Nous restons là, mais nous sommes bantous. Oui. Et nous sommes africains, on comprend bien les questions. Donc ce monsieur est mort comme ça, là, tranquillement. Beaucoup, et moi aussi avec, nous pensons que c'est un saint. Généralement, nous parlons des saints quand ils sont déjà morts. Même dans la Bible, tous les saints, ils étaient déjà morts. On n'a pas eu l'occasion de parler de cet homme, de son vivant. Peut-être nous autres, on a bien voulu reprendre ses propos. Maintenant, sur votre question concernant les années de braise, effectivement, c'est pour cette raison qu'il avait une autre vision pour le Cameroun, parce qu'il a vécu ça ici à Douala. Ce que les autres ne comprenaient pas. Ce que beaucoup n'ont pas compris. Et je pense même qu'il n'a pas été compris par beaucoup de Camerounais. Que ce soit au niveau aux instances supérieures, que ce soit même par ses pairs. Il n'a pas été compris. Parce que justement, à ces années-là où la démocratie arrivait, où il fallait batailler, il fallait des marches à gauche et à droite, il était dans la ville de Douala. La ville, même cette fameuse ville de Douala, où il y a eu tout ce que nous connaissons. Non, fameuse, ce sont les mots français. Ce n'est pas pour maudire la ville de Douala. Je ne suis pas en français. J'allais dire que cette ville mythique de Douala, qui a vu égorger Douala, Mangabel quand même. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce monsieur-là, ce père-là, a vu tout cela. Et quand il faisait des propositions, 30 ans après, aux Camerounais, beaucoup ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que lui, un homme d'église qui voulait s'exprimer, qui voulait dire ce genre de choses, il y avait des administrateurs coloniaux de l'époque. Celui qui était gouverneur à l'époque, père à son âme, ceux qui connaissent l'histoire connaissent. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que c'était un prélat qui, 30 ans après, avait la capacité de dire, si nous allons ici, voilà ce qui peut arriver. Si nous allons là, voilà ce qui peut arriver. Malheureusement, je dis malheureusement, nous allons simplement le citer au passé maintenant. Alors, est-ce que véritablement, nous pouvons tirer des leçons de par sa mort? Parce qu'on sait qu'il y a des moments où on nous dit, tel a été tellement malade, c'est l'arrêt cardiaque, ainsi de suite. Je n'ai pas envie de revenir sur ce que vous avez demandé. Vous posez des questions comme question aux autres. Ceux qui ont fait ça, comme nous sommes à la période Pascal, il faut mieux les pardonner. Ceux qui ont pris la peine de prendre les images de sa dépouille, je suggère à ceux, puisqu'ils ont déjà été arrêtés, je vous le dis clairement ici, il vaut mieux qu'on pardonne ces gens-là qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parce que Jésus qui dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, qu'on pardonne à ceux-là. Maintenant, est-ce que nous allons pouvoir... Vous dites, Raphaël Ndougou, on doit leur pardonner parce que c'est la semaine pascale. Oui.
Si ça n'avait pas été la semaine pascale, on n'aurait pas pardonné. Au-delà de la semaine pascale, c'est parce que l'homme qui meurt, c'est un saint. Et donc, ceux-là l'ont fait pensant qu'ils voulaient démontrer aux gens que c'est la véracité de la mort du Pélat. Je dis encore, vraiment la main sur le cœur, que les équipes, on les a arrêtées, je vous le dis clairement. Il vaut mieux qu'on pardonne à ces gens parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Maintenant, pour conclure sur la question que vous avez posée, je vous assure clairement que les Christian Toumi, nous ne les aurons plus dans les prochaines années. Ça dit que 50, 60, 100 ans qui vont suivre. Ils seront rares. Parce que je vous assure que lorsque quelqu'un est en face de vous, la parole étant sacrée, ce monsieur, à chaque fois qu'il prenait la parole, il avait des conseils, il avait ce nombre de choses qu'il prodiguait, qu'il disait aux gens. Mais les gens ne comprenaient pas. Dois-je dire ici qu'il parlait comme Jésus-Christ? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est ceux-là même qui l'ont suivi. Parce que justement, aujourd'hui, nous pensons que c'est l'Européen qui est mort. Mais je voudrais vous dire que ce monsieur n'est pas mort. Pour la petite, peut-être pas pour ironiser, pour dire qu'il y a deux jours, les partis politiques se sont retrouvés à Yaoundé. Dans le cadre du toilettage du système électoral. Lui meurt un ou deux jours après. Je le dis ici solennellement qu'il ira avec ses doléances, ses propositions de ses partis politiques et les autres acteurs politiques et de la société civile. Que ceux qui ne tiennent pas continuent, qu'ils aient trouvé ces gens-là pour faire des propositions, parce que c'est le Cameroun qui restera debout. Ce n'est pas une affaire de Christian Toumi est décédé. Ce n'est pas une affaire de Raphaël Ndougou et des autres. C'est le Cameroun qui doit rester debout. Ce monsieur-là a voulu. Ce pays a voulu que le Cameroun reste debout et qu'il y ait des changements par rapport à ce qu'il lui a vécu ici il y a 30 ans dans la ville de Douala, puisque vous parlez de 1991, quand il arrive ici, parce que c'était véritablement le torchon brûlé ici. Ça allait dans tous les sens ici. Donc je crois que véritablement nous devons dire ce monsieur... Vous dites que c'est parce qu'il a vécu ça, donc il essayait de comprendre les problèmes, mais pourquoi on le taxait donc de rebelle? Eric Yombi viendra nous dire davantage tout à l'heure. Il était incompris par le gouvernement, le système? Il était incompris parce que lui, il regardait l'être humain sur le plan social et sur le plan spirituel. Ce qui est contraire à ce qui nous dirige. C'est ce qu'il dit, si vous suivez son interview en question. Donc, et les autres avaient l'impression que lui, il était perdu. Il faisait la politique. Il y en a qui pensaient qui tiraient contre le régime. Ce n'est pas toute personne qui tire contre le régime. Lorsqu'on a des propositions positives, ce n'est pas tirer sur le régime. On peut même donner des propositions en démontrant ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'on est contre le régime. Et justement, lui, il voulait mettre l'être humain au devant de la scène. Parce que si nous voulons diriger, si nous voulons commander, nous ne pouvons pas commander les arbres, encore moins la forêt à vierge. Nous devons commander des hommes. Et si nous voulons commander ces hommes-là, malheureusement, ce sont des êtres humains. Et lui, il regardait l'être humain sur le plan spirituel et sur le plan social. Merci, Raphaël Ndougou. Merci bien, c'est à l'autre. Voilà, merci, Raphaël Ndougou. Le maire Jacques Maboula, le cardinal Toumi, très actif, je vous l'ai dit, jusqu'à... Il y a eu deux tentatives d'organiser cette conférence générale anglophone. Vous pensez que... Il part avec ce sentiment-là, le goût d'inachevé. Je crois que le terme revient toujours, le cardinal, c'est incompris. On peut l'interpréter comme ça. Pas incompris, je crois que c'était un homme pleinement engagé dans sa cause, dans sa lutte. Et il s'est dit, là où les politiques ont échoué, les hommes d'église peuvent réussir. Raison pour laquelle il donnait toute l'énergie pour qu'enfin on puisse s'asseoir et discuter. Enfin, ses enfants puissent comprendre le message qu'il avait pour notre pays. Je me souviens encore quand tout le monde disait le grand dialogue national, c'était un monologue. Oui. Sa réaction était étonnante. Il dit, comment un monologue? Oui. Alors que les partis s'expriment. Donc, c'était un homme qui donnait toute son énergie pour que on puisse se parler. Et c'est ça l'ennui quand on est au milieu d'une cause où il y a les passions. Les passions divisent, mais il restait au centre.
en équilibre. Les anglophones pensaient qu'il était un homme du régime. Voilà, un pion du régime. Et le régime pensait qu'il était un homme de la cause sécessionniste. Ce qui n'était pas vrai. Il essayait juste de ramener la chose au milieu pour que le pays reprenne sa place. Et je crois qu'il a donné. Ce n'est pas là ce qu'on vit dans, un peu partout. Il y a, comme on dit de manière triviale, il n'y a pas de neutre. La neutralité est difficile. Parce que même le Christ a dit les tiers. Un camp vous classe toujours, de l'autre vous met toujours dans un camp. C'est très difficile. Oui. J'ai pu vivre cela personnellement. Quand vous recherchez la vérité, les gens sont partagés autour de votre position. Et c'est parfois difficile parce que notre pays ne sortira de cette crise que si nous restions en équilibre entre la vérité, qui est que nous sommes tous fils et filles de ce pays et qu'il n'y aura jamais de division parce que nous sommes extrêmement mélangés en termes de sang et d'accent. Ce n'est plus possible. La seule chose qui va permettre au Cameroun de sortir vainqueur, c'est le sens de la justice, le sens de l'égalité de chance, de la juste répartition. Et c'est ça qui va nous réconcilier. La gouvernance doit devenir au service de l'intérêt général, au nom des intérêts particuliers. Parce que c'est ça qui fait le problème aux juifs. Il n'est pas normal, par exemple, je le dis toujours, que des députés aient voté en assemblée et aient validé en assemblée un SMIC de 32 500. C'est moins que le plein de carburant d'un pick-up. Ce n'est pas acceptable. Il faut qu'on revoie les choses au sens de la dignité humaine dans ce pays. Et je crois que pour avoir côtoyé le cardinal Christian Thomy lors du Grand Dialogue National, c'était moi, mon cardinal, qui était en train de parler avec moi. J'étais sorti enrichi en tant que militant parce que j'ai vu en lui, beaucoup plus, le militant des droits de l'homme, le militant de la justice, le militant des libertés, le militant de l'égalité des chances, le militant de la bonne gouvernance, le militant de la réforme du système institutionnel camerounais. Et pour ça, je dis, j'ai côtoyé un grand homme lors du Grand Dialogue National. Repose en paix, et j'espère qu'il aura cette paix. Mais je voudrais dire en même temps à tous ceux qui l'ont côtoyé et qui l'ont entendu, ceux même qui l'ont enlevé, qu'aujourd'hui, le cardinal est mort. Il est inutile de verser les larmes alors que vous portez encore des armes. Parce que c'est ce qu'il vous a demandé toute la vie. Si vous déposez les armes, je crois qu'enfin, ce grand homme va reposer en paix. Okay. Et je crois qu'il a les yeux rivés vers les Camerounais maintenant. Voilà, on va d'abord prendre rapidement la réaction de Pascal à la suite du maire Maboulin. Oui, Serge, le maire. On a accueilli Eric Yombi. Le maire a parlé, de la All Anglophone Conference. Il faut dire que la conférence générale anglophone. La conférence générale anglophone. Il faut dire que j'ai peiné dur pour le rencontrer. C'était justement à propos de ce qu'on avait pensé échec. D'accord, je le dis sous témoin, je le lui ai dit et il a été d'accord avec moi. À son âge, ce n'est plus facile d'aller côtoyer des gens et de les choisir de lui-même. Je lui ai dit, il y a erreur, la personne, je préfère ne pas appeler les noms pour le moment. Nous avions déjà eu un qui avait démissionné à cause des menaces des Amazoniens. Ouais. Et maintenant, là, il y a eu quelqu'un d'autre. J'ai cherché à le rencontrer pour lui dire, ce monsieur ne cache même pas toute sa sympathie pour les Amazoniens. Il faut le dire. Et c'est ce qui a fait du côté du gouvernement commencer à mettre... Le gouvernement n'a jamais été contre la All Anglophone Conference. Mais à son âge, avec des mauvais conseils, il s'est retrouvé dans cet état. Et ça n'a fait qu'être envoyé jusqu'à échouer. Mais j'aimerais te dire une chose, si tu me permets un peu, Serge. Pourquoi est-ce que nous pleurons beaucoup en ce moment? Nous avions un projet de perspective citoyenne en ce moment, où d'ailleurs, nous voyons l'arrivée de Serena Williams, et puis de Eddie Murphy, qui est notre frère camerounais, d'un ancêtre camerounais de Nanga et Boko, qui vont venir inaugurer un monument historique à Bimbia, c'est à Limbé, environ 10 km de Limbé. Et nous avions mis en tête des personnalités à rencontrer. Nous ne savons pas pourquoi nous avons renvoyé. Nous voulions qu'il nous délègue un jeune prêtre avec qui nous allons travailler. Pour parachever le rêve, la vision qu'il a eue pour ce pays. Parce que quand vient de développer le maire, vous savez, Serge, nos enfants, regardez-les.
Dites-moi vraiment quel angle d'avenir ils ont en ce moment. La jeunesse, quand vous prenez peut-être de 20 ans à 25, 26 ans, il y a des moments où j'arrête la voiture. Parce que vous voyez un jeune homme de 25, 26 ans, il marche des kilomètres avec une chaussure d'occasion, même pas neuve. Les sandales sont toutes trouées et vous le regardez, il va peut-être avoir un diplôme en bouche. Voilà des choses qui lui faisaient mal. Voilà des choses qui lui faisaient mal et qu'il ne faudrait pas que notre génération arrête là qu'on continue. Je vais chuter en disant l'unité. On ne peut rien faire sans unité, Serge. Nous avons un pays où les musulmans sont là-bas. De l'autre côté, au sud, nous avons les chrétiens, les catholiques. Déjà, ne s'entendent pas avec les autres églises que vous appelez, je m'excuse, des églises de réveil. Non, il faut l'unité et dire aux nos enfants, nous servons un Dieu de paix. Cela s'est vu dans un seul verset. Je vais chuter par là. Dans Jean chapitre 3. Vous avez un deuxième point que vous chutez, normalement. Pas mal au pied. L'avion a eu quelques. Oui, rapidement. Donc, je dis, je conclue par Jean chapitre 4, verset 24. Il y a une femme qui vient voir Jésus, qui commence à lui parler de tous ses écarts religieux. Jésus chute et l'arrête en lui disant : Dieu est esprit, Dieu est vérité. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Okay. Ça suffit. Merci. Musulmans et tout cela, si c'est dans l'amour, c'est Dieu qui parle. Merci, on accueille Eric Yombi. Eric Yombi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir également aux copanélistes et bonsoir. Bonsoir à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Eric Yombi, vous avez justement devant vous un exemplaire d'un magazine très connu à l'époque, à une certaine époque. Le cardinal Toumi, le rebelle, c'est bien cela? Oui. Alors, que notre cadreur nous fasse le plaisir de... Oui, allons-y, allons-y. C'est une certaine époque. Oh, oui. Pourquoi il était... On demande, il cherche-t-il le pouvoir? Oui, dans... C'est après les années de Blaise. C'est une interview donnée en août 1990 oui. à Jean-Baptiste Placa et Célestin Monga. Et dans les propos qui reviennent là, ces deux journalistes disent notamment, je cite, cardinal, tu déranges. Ça, c'est la première chose qui est dite. La deuxième, le cardinal dit, où il y a les opprimés, l'Église doit être présente. Alors, si je prends ces deux éléments et je les mets ensemble, nous comprenons profondément que le cardinal était un homme qui était profondément attaché à ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est tout simplement cette perspective dans laquelle s'inscrit l'Église catholique romaine à s'exprimer sur les questions de société, à prendre position sur les questions de société. Et lorsque le cardinal Toumi est envoyé en août 90 à Douala, il faut déjà comprendre... 91. Pardon. Il faut déjà comprendre qu'il avait un passé qui parlait déjà pour lui, sortant de Yagua oui. et également de Garoua, où il avait déjà évidemment des prises de position contre certaines autorités de la ville. Donc lorsque le Vatican demande au cardinal de se retrouver à Douala, c'est parce qu'on sait que l'homme, dans sa contenance intellectuelle, sociale et spirituelle, il va énormément jouer dans le jeu politique du Cameroun et de Douala. C'est pas pour rien qu'il a envoyé à Douala. Il a envoyé à Douala parce qu'il va peser lourdement. Lourdement parce qu'il avait déjà pesé où il se trouvait. Donc c'est pas une surprise de voir par la suite le cardinal qui a énormément marqué la vie politique camerounaise. Il n'est pas surprenant d'avoir vu le cardinal également dans cette question anglophone qu'il a porté vraiment de bras. Malheureusement, il n'a pas pu atteindre ses fins, mais il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. Docteur Akoumou, je l'évoquais avant que vous n'arriviez. Il voulait tellement la paix dans cette deux régions. Au point où il a même été victime de kidnapping. That's the issue. You know, earlier as I was speaking, I said a lot of people actually will not understand him. Some people feel like he took one side because they looked at him from the normal physical viewpoint. He's a man of the church, not a man of the society per se. And so he has a view of man, an anthropological view, which is different from that of the UA journalist. And so when he looks at man from the position of a being that is related to God, it's a spiritual being. And so he believes that for this man to actually have influence over society, he needs to be balanced. And that is where peace actually reigns.
peace can only be when there is balance. And since he stood from that point, a lot of people were looking at him like, oh, this guy, he's not for us. Because some people want him to be for them. For example, the government wants him to be for the government. Why the Ambazonian boys want him to be for them? And he cannot be for anybody. Because he is for God. And being for God, he is looking for ways to bring the two sides together. That's where peace can reign. But you see, Yaounde will say, this man, you are more of Ambazonia, because he sees, you know, let me say this word. When truth is found, whether it is in darkness, it remains truth. And it takes a bold individual to speak truth to the face of darkness without fear. And so when he speaks this truth, some people take him for an enemy because he is speaking truth. I was shocked when he spoke one time that there will be no Ambazonia. They say, hey, this man is against us. No, he was not against them. He's speaking from a point. He's standing somewhere and looking. So the people will not understand him, Serge. They will not understand him. So that is why you could see when he went, he was accompanying the fawn of Saul. Who is his fawn? Mm-hmm. He was kidnapped along with the fawn. He suffered it in their hands. Why should you, who says you are fighting for a people, kidnap a servant of God? You just touch something you should not touch. And that is wrong. First, at that age, I want to speak like a Pan-African is an African. There is a particular age you do not deal with as an African. That man was in his third age, and he was kidnapped by the same people who call themselves his children. In fact, grandchildren. That was desecration. That was the worst step that he ever took. So you do not expect him that when he comes out, he should say that, oh, people are going to win the Ambazonia cause is successful. He will tell you, people dead out of course. And so you have destroyed everything you were building on. And so, with such... Est-ce que c'est parce qu'il a contribué à sa relaxe quelques heures après? Peut-être parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient commis un impair. Yes. Oui. It is but obvious that they looked at it and they realized that we were not supposed to even take this kind of man. And they made videos to pretend that, okay, we did not do him any harm. Oui. But you had already kidnapped him. That was kidnapped. It was wrong. So, search... Coming to the direction of the government, there are individuals that were pointing fingers. Cameroonians in general. Because I've heard a lot of people mention to me that tu ne connais pas ce que tu es en train d'appeler to me, il est derrière le truc ambazonien. I say, hey, some of you are saying things you do not understand. That is a man of the church. He does not have a point, a position. I said on this platform one time that if the Catholic Church will have a voice over this nation, it needs to step out of division and stand, tradition. Have a neutral ground. That neutral ground is the place where Cardinal Toumi was standing. And that is why, even in the church, there were priests, in quotes, that would speak against him. That's individual position, not doctrinal position. Okay. In the doctrinal position, they are united. When it comes to opinions, social opinions, there were individuals who did not see along with him because the thought might be, because I'm coming from this tribe, I should take the position of those who are coming along with me from the same tribe. No, that's okay. Not the way it's supposed to be. Okay. You are supposed as a... I want to say this man is an example that a lot of people should copy. I want to give you two reasons before you take over the mic. First, it is not long ago that he was initiated as the fawn of his village. He took an honorary title, or let me say a title, a noble title, in his sub-tribe, making him a traditional title holder in his village.
Why being a man of the church? You see, a lot of people will judge that and condemn him, saying that he is somebody who is pretending to be a Christian and went back to be traditional. No. African tradition in its roots is not evil. It is our misjudgment of the practices and the way we were inculcated, in fact, what we were taught to believe. But he saw that long ago. He struggled to, don't forget, he is a person who fought to establish, to make the Catholic Church get to a place where he can start teaching, bringing the culture of the people right into the church. Okay. Where you could sing even in your dialect in the church. He is the one. And secondly, as a man of the church, he did not say that because I am a priest, I should allow political issues to politicians. Once you are a priest, you have a global knowledge of things. Excellent. You can intervene in political issues. Because I hear today in our nation, I heard a minister once said that the church should remain for the church and politicians should stay with politics. Yeah. That is wrong. A churchman has every right to be fully involved in the political life of the nation because he is the voice of the voiceless. He is the eye of those who do not see. He speaks truth to power. And so when you do that, a lot of people want to misjudge you. But I think that the Cameroon government, as well as any government in Africa, should realize the importance of men of God. Okay. I'm talking this and shooting and telling you that today we also lost a priest, an archbishop in Kampala. Kizito. Archbishop Kizito, who is the Archbishop of Kampala. Okay. Also lost him today. He was also an outspoken individual like to me. Okay, thank you. Voilà, on fait un dernier tour de table rapidement en 30 secondes. Saint that you don't have a lot of seconds. To say something back to what you are just developing, which is very important. Actually, Cardinal, to me, this country is going to lack to see that man. Miss him in one point. He was of all the religions. Yeah. Mm-hmm. Because that's what a man of God should be. It was that man that you see in John 3:16. God so loved the world that he sent his only begotten to the world. That Jesus praying in John 17:15 says, don't take them out of the world. That way Cameroon is going to miss Cardinal Toumi. Churches get together with all the people. Don't exclude yourself. Jesus was never away from people. He came towards people to help the to help people to get peace, to live socially together, to get things together, to pray for the government, because that's an important thing. People, the government didn't get him. Cardinal Toumi was praying for the government to get better ways from the people, not against the government, not against Ambazonian, not against the youth, but that all together we can build. Now to land, as you said, always to land, Serge, I've got to say something, don't laugh at me, I'm not seeing you laughing, but I'm saying I'm going to land now, just to say something. Please, let all together get to an experience of unity. You will see what this country is going to become. Cameroon is leader, and the whole world, not even only Africa, the blacks are waiting. I always like to take that image of Serena Williams wearing our dress, yellow, green, red, yellow. That's a message. All these black guys lost there in the States. They want to know the land, to come back to the land. And Cameroon can do that. Okay. I land here, sir. So okay, merci. Eric Yambi, vous, qu'est-ce qu'on retient de l'homme? On pourrait retenir du cardinal Toumi que ce fut un républicain. Quelqu'un qui était au-dessus de la mêlée, sans parti pris, bien qu'étant prélat, il a exprimé ses idées avec conviction. Il s'est énormément battu pour que le Cameroun soit un. Et bien entendu, il n'a pas toujours été compris. Et le détail que j'aimerais apporter, c'est qu'il vient à Douala en tant qu'évêque, juste après les propos du chef de l'État qui disait en 91, la conférence nationale, je le dis et je le maintiens, est sans objet. C'est donc dans ce contexte qu'il est arrivé à Douala et il a pesé de tout son poids dans le débat politique. Parce que républicain, il le fut et il a maintenu cette position
Et cette position également dans la perspective de l'unité du Cameroun, c'est à ce titre, bien entendu, qu'il s'est battu au sujet de la crise anglophone. Voilà, le maire Germain Poula, pour terminer. Je retiendrai de lui un grand homme. Un grand homme qui a donné toute sa vie au service de la République, en se servant des outils qu'il avait, les outils de la foi. C'est ce qu'on appelle la foi en acte. Je retiendrai de lui également ce message qu'il a porté quand la crise a commencé, lors de ses premières médiations. On peut imaginer des civils sans les armes, mais on ne peut pas imaginer une armée sans les armes. Et il a invité les civils qui avaient pris les armes à les déposer pour que nous puissions discuter. Aujourd'hui, je crois que ce message devrait retentir encore plus fort à tous ces civils qui ont pris des armes, afin que le cardinal n'ait pas mené un combat en vain. Et aujourd'hui, son message doit nous parler tous. Il s'est battu pour la justice, il s'est battu pour la liberté, il s'est battu pour la démocratie, il s'est battu pour la vérité et l'égalité de chance. Nous devions, à son exemple, poursuivre ce combat, quel que soit ce que cela va nous coûter, parce que le cardinal a donné sa vie pour nous. Il est temps que nous nous montrions à ce cardinal qui ne s'est pas battu en vain. Voilà, merci cher monsieur d'être venu. Merci à tous ceux qui sont passés avant vous. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition spéciale consacrée à la vie. L'homme, le cardinal Christian Toumi. Rendez-vous, il est pris pour lundi 19h pour un autre numéro et qui ne soit. On va dire merci à Danny Warren Z2, Farel Bounia, Marlise Minkoumou, Zéphirin Gondi, Innocent Abega. Bonsoir. Kikai Kelaki. Eternus Espirius. Tu.